On va enchaîner avec l'une de nos deux tables rondes. Est-ce que Elodie est dans la salle Élodie Richard, bonjour. Directrice de Esper Media, qu'on va saluer par des applaudissements le temps qu'elle arrive sur scène et qui va animer. Bonjour. Une, une table ronde sur l'incrémentalité, la, la mesure pour les grandes surfaces spécialisées. Et Élodie, je t'invite à inviter tes différents invités à monter sur scène que J'invite wow, sur scène euh, Eleonore Kramer, e-commerce euh, e directeur chez Vela, Gwenola Quaco, et on peut les applaudir parce qu'ils arrivent sur scène hein. media chez Kingfisher, et Marc Fichy, Executive Managing Director IMIA pour Criteo. Table majoritairement féminine, ce qui est rare dans le retail média, c'est bien. Je suis oui. ravi. <rire> <rire> Bonjour à tous, euh, je suis euh, ravie d'être là. Euh, et d'être euh, pour la première fois euh, animatrice d'une table ronde avec euh, bah, des experts autour de moi. Euh, le sujet de la mesure, c'est un sujet qui est en effet euh, vaste, c'est un sujet qui est crucial. Euh, pour rappel, la mesure, elle permet à la fois de comprendre l'efficacité des campagnes publicitaires pour les marques, euh, et du coup, elle permet aussi d'ajuster les investissements. Euh, je pense que le rôle de la mesure est essentiel, évidemment, dans le média, mais peut-être encore plus euh, dans le retail média, notamment par rapport au périmètre. Dans lequel il, il s'exécute. Et du coup, l'objectif de cette table ronde, c'est un peu de comprendre justement euh, quels sont les enjeux euh, de cette mesure, à la fois pour les marques, avec Eleonore, et à la fois pour les régies et pour les techs. Parce que je pense que l'enjeu, il est euh, global aujourd'hui. Du coup, j'accueille mes trois experts. Et la première question, j'ai mes petites notes parce que je suis encore tout à fait experte en journalisme. Euh, la première question, elle est plutôt pour, pour toi, Eleonore. Euh, c'est vous, en tout cas, en tant que marque, euh, Peux-tu nous dire pourquoi la profusion de régies et de retailers complexifie aujourd'hui ton approche euh, avec la mesure du retail média euh, Bonjour à tous. Euh, alors, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident de choisir et de sélectionner les régies ou les agences avec lesquelles on veut travailler, euh, parce qu'il y en a tellement euh, qui proposent des solutions qu'il y a un moment, il faut faire un choix euh, dans le cadre d'un euh, contexte budgétaire restreint. Je pense qu'on est tous confrontés à ça, faire mieux avec moins de budget d'année en année, et donc qui choisir avec quel partenaire. Et en fait, ce qui est pas évident au milieu de tout ça, c'est que en tant que marque, on a envie de se baser sur des KPIs euh, qui nous sont partagés, et malheureusement, parfois sur euh, certaines agences ou régies, euh, c'est les prémices euh, de euh, euh, du retail média. Bon, ça existe depuis longtemps, donc il y en a certaines qui sont euh, très avancées. Mais l'équipé à se partager sont parfois total marché et non catégoriels. Et pour une marque, c'est important de pouvoir se benchmarker par rapport à euh, son propre contexte concurrentiel et non pas par, un, pas par rapport à un ensemble du marché. Et, euh, et parfois également, ça prend pas forcément en, en, en compte euh, tous les paramètres d'une euh, période donnée. C'est vrai qu'on euh, va mesurer euh, le CA incrémental et on va le diviser par le budget investi, mais en réalité, au milieu de tout ça, il y a plein de facteurs qui expliquent une performance ou un performance. Il y a euh, est-ce que le concurrent a fait une campagne télé en parallèle Est-ce qu'il avait une mécanique promotionnelle plus attractive que la mienne euh, Est-ce qu'il a une notoriété plus forte que la mienne Voilà, qui, peut qui peuvent expliquer. Euh, telle ou telle performance et donc être intégré au cadre, dans le cadre du ROS par exemple. Et donc, c'est vrai que selon les régies ou les agences ou les solutions proposées, eh ben, on n'a pas toujours tous ces Donc, en tant que marque, comment on sélectionne bon, Parfois, il faut se lancer. C'est ça. Du coup, tu as des exemples, toi, en tant que marque de, euh, de campagne Retail Media ou en tout cas, de, justement, de, de complexité qui ont été euh, euh, difficiles à, à, à maîtriser pour toi alors oui, effectivement, il y a certaines euh, régies qui ont proposé euh, des solutions pour euh, m'aider à développer mon chiffre d'affaires et euh, ma market share, hein, ma, ma part de marché e-com, euh, e euh, mais qui se lançaient également en parallèle. Et donc, du coup, bah, dans le cadre d'une stratégie de test and learn, clairement, bah, je me suis lancée sur les quelques key qu'on acceptait de me partager. Et euh, voilà, il faut aussi, comme on le disait juste précédemment, accepter d'être dans du test and learn et se dire, je mets du budget un peu sur la table. Euh, J'ai une petite négo en amont avec la régie pour avoir un tarif préférentiel puisque du coup c'est du win-win. Elle construit son offre, je cofinance euh, sur la base de KPIs qui ne sont pas forcément euh, euh, très précis. Et donc du coup, effectivement, on a mis ça en place et on construit en fait la solution ensemble et ça nous permet d'aller développer le business avec le retailer, enfin le e-retailer ou le pure player. Et donc, du coup, on a fait quelque chose ensemble avec Showroom. Tout à fait, on a testé. Le mois dernier, les résultats sont plutôt intéressants, mais encore optimisables sur le partage de la data, qui est clé et qu'on manque parfois un petit peu. On s'améliore tous les jours. Il faut. Euh, du coup, je laisse la parole côté Régie et Tech. Justement, vous, comment vous le ressentez, cette complexité côté... Euh, euh alors, côté Kingfisher, Kingfisher, juste pour rappel, c'est euh, Castorama et brico Dépôt en France et une nouvelle enseigne qui s'appelle Scroofix. Euh, je rebondis sur ce que tu dis, en fait. C'est vrai que quand on parle de données et quand on parle de mesures, il faut revenir aux prémices de, euh, de la donnée et de l'activation euh, des plans que l'on met en place. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de transparence entre. Euh, euh, L'annonceur et euh, la régie ou la tech, parce que bien évidemment, il faut qu'on ait connaissance du plan média dans son ensemble, faut qu'on ait une vue euh, de toute l'activation promotionnelle des magasins, euh, faut qu'on sache qu'est-ce que nos enseignes mettent en place en termes de communication parallèle, euh, et ça veut dire que la donnée, on la traite finalement à l'origine. Avant même de parler de mesures, c'est de se dire, je suis dans la capacité d'identifier quel est euh, le facteur de croissance de ma marque. Euh, je sais où est le potentiel de croissance et je le fais pas de la même manière quand euh, je travaille pour une marque comme Bella ou quand je travaille pour une marque de perceuse comme Bosch, parce que les fréquences d'achat sont pas les mêmes. Parce que euh, si je pense à euh, Hansgrohe, par exemple, je vais avoir la, la nécessité d'identifier que je suis dans un projet de rénovation de maison ou de construction de maison et de m'assurer qu'on est bien dans le cadre d'une euh, un, une rénovation de salle de bain par exemple et donc je vais prendre d'abord la donnée euh, et la mesure à l'origine en se disant bah, mon objectif c'est bien d'aller développer ma part de marché euh, dans un cadre concurrentiel global de mon enseigne et ce que je vais en mesurer derrière sera très différent finalement d'un marché à un, un autre parce que je vais vouloir regarder mon gain de pénétration je vais vouloir regarder euh, mon euh, évolution de part de marché je vais regarder mon sell out finalement il y a plein d'objectifs de mesure qui seront très différents selon ce que l'on décide de mettre en place euh, et, et si je fais le parallèle aussi avec l'alimentaire, qui sera la table ronde de derrière, euh, qui est plutôt un marché sur lequel j'ai beaucoup travaillé, on, on a des fréquences d'achat qui n'ont rien à voir. On n'achète pas une perceuse tous les deux mois. Euh, donc forcément, la manière dont je vais amener la mesure euh, de la performance sera pas du tout la même que ce que je faisais avant euh, dans l'alimentaire. Et donc on évolue aussi notre façon de le faire. On évolue aussi les dispositifs que l'on met en place. Euh, je fais encore un, un autre parallèle. Le site e-commerce de Castorama ou de Brico Dépôt, c'est moins de 10% des ventes totales euh, de, de chiffre d'affaires de l'enseigne. Euh, c'est un site où on va aller euh, faire de la recherche, euh, s'inspirer avant d'aller convertir en magasin. 80% des clients qui fréquentent nos sites e-commerce convertissent en magasin. Donc finalement, ma manière de mesurer l'impact d'un dispositif aura rien à voir euh, avec euh, SRP ou avec d'autres sites d'alimentaire ben nous, on est aussi très alignés avec ça. Euh, la très bonne nouvelle, c'est qu'on est vraiment toujours au très commencement de la baisse pour le retail média en France. Si je fais euh, la comparaison avec euh, d'autres pays, soit en Europe, euh, voire outre-Atlantique, euh, on voit qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup d'opportunités pour toujours faire euh, une croissance énorme. Et avec la fragmentation qu'on a toujours aujourd'hui, on a parlé euh, plutôt des formats. Mais aussi là, avec du mesure, ça nous empêche vraiment pour, pour euh, prendre la courbe. Euh, je me félicite que euh, l'AS Digital et aussi l'IAV Europe euh, font des, des activités sur euh, l'alignement de l'industrie. C'est absolument nécessaire pour nous tous. On peut profiter énormément de ça. Euh, maintenant, il faut reconnaître, on a déjà parlé, euh, il y a des euh, maturités qui sont différentes, côté distributeur, côté marque aussi, côté tech. Euh, ça, il faut respecter. Euh, mais il ne faut pas oublier d'où vient l'argent. Finalement, l'argent vient du budget marketing des marques. Alors, il faut faciliter les choix pour les marques pour euh, investir dans le retail média. Il euh, ne faut pas oublier ça. Si on fait ça correctement, on va, on va, tr va faire très bien avec une bonne croissance. Et euh, pour ça, on commence déjà avec la standardisation des mesures. Je pense pour juste rebondir sur un point sur sur la fragmentation, je pense qu'en France ou globalement en Europe, c'est très différent des US. On en avait un peu parlé en amont, aux US, tout est centré sur les produits sponsorisés. Donc c'est facile, la mesure, elle est unique, elle peut être commune à tous les marchés, tous les distributeurs. Dans notre cas, en fait, on a un potentiel d'activation online qui reste toujours limité. Donc on va démultiplier le nombre de solutions qu'on peut proposer aux industriels. On va faire de l'audience extension, on va faire du on-site, on va aussi avoir des activations en magasin, on va proposer du content sur des sites d'inspiration, on va faire des réseaux sociaux. Et donc finalement, notre mesure. Elle est très différente et ça explique aussi notre besoin d'harmonisation, de standardisation, mais ça, aussi, ça explique aussi la complexité que l'on connaît en France ou globalement en Europe par rapport aux US. Et on ne pourra pas reproduire exactement la même chose qu'aux États-Unis compte tenu de la taille de l'e-commerce à l'échelle de la France. Il faut aussi qu'on soit lucide. <laughs> D'où la croissance encore tirée par les Américains chez nous aussi. Euh, merci pour votre, vos, vos réponses. Euh, question d'après, est-ce qu'on peut juger que la mesure est un catalyseur, un catalyseur pardon, potentiel de croissance pour les acteurs du retail média? Euh, est-ce qu'une éventuelle meilleure normalisation, une meilleure transparence de la mesure euh, permet, euh, à votre avis, d'accélérer le marché? on en a un peu. on a un peu répondu euh, les premiers éléments de réponse. mais je vous laisse la parole, euh, peut-être à marc, en premier. oui, je, veux, euh, je reviens peut-être à la euh, maturité des, euh, des distributeurs hein, pour commencer. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a toujours des décisions qui, qui sont faites des fois par les parties ou par les équipes commerciales, dans le distributeur et des autres décisions qui sont faites par la partie régie, voire arrêter le Média ou le marketing, etc. Et euh, le, le désir pour avoir quelque chose qui a transparence, qui, a, euh, qui est standardisé, c'est des fois un petit peu différent. Ça, il faut le reconnaître, mais aussi on a une opportunité avec ça. Hein. Je, si je reviens à la fragmentation qu'on qu en a parlé. Aujourd'hui, on a un marché énormément mature en France côté offre. On a énormément d'offres hein, là-dessus. De l'autre côté, sur la partie standardisation, on commence. Euh, si on peut marier ces deux choses-là, on voit vraiment la croissance qui, qui, qui va venir là-dessus. Hein. Et puis euh, aussi pour, pour la croissance énorme, si on arrive à aligner un petit peu les objectifs du commercial avec la régie, là, il y a vraiment du potentiel. Et, et, et c'est sûr, en fait, nos, nos industriels ne sont pas tous habitués à avoir de la mesure. Enfin, alors dans la salle, il y en a plein. Dans mon secteur d'activité, je ne sais pas s'il y en a, mais la GSB... Euh, globalement on a quelques marques matures ça se compte sur les doigts de, de demain euh, je peux citer des Bosch, des Karcher par exemple mais globalement j'ai beaucoup d'industriels qui sont des PME euh, j'ai beaucoup de no-name si on pense à tout ce qui est euh, quincaillerie bah, la vis, euh, voilà, je vous invite à trouver un nom de marque pour une vis il euh, n'y en a pas forcément euh, et donc le niveau de maturité aussi autour de la donnée n'est pas du tout le même dans ce secteur d'activité euh, et donc on pourrait imaginer leur donner toute la donnée, la logique d'incrémentalité etc. Je ne je ne suis pas sûre que tout le monde à l'intérieur de ces entreprises ait la maturité sans, sans vouloir. Faire défaut à l'industrie. Hein. Euh, mais tout le monde n'a pas la, la maturité euh, de compréhension de tous les KPI dont on va parler ou dont on a évoqué dans le Rive Blanc. Donc ça veut aussi dire qu'on a tous un travail collectif, euh, agences comme euh, régie, comme tech, d'aller aussi acculturer l'intégralité des marchés euh, et pas seulement l'alimentaire et pas seulement euh, la beauté qui sont des marchés plus matures probablement sur, euh, sur ce secteur pour qu'il euh, y ait une compréhension de tous les KPI on veut, euh, dont on veut parler. Euh, et ensuite, je reviens sur, sur ce que tu dis aujourd'hui dans nos. Dans notre. Euh, qui nous achètent, euh, concrètement, chez fixture chez Telmedia, bah, j'ai des cams. Euh, bah, les cams, ce qui les intéresse, c'est le sell-in, c'est pas le sell-out. Euh, j'ai euh, des directions marketing. Euh, on est plutôt sur des KPI euh, euh, d'évolution de, de part de marché, plus des KPI de, de branding. Euh, on a des directions e-commerce, parce bah, qu'ils veulent voir, c'est les évolutions de trafic sur leur page produit. Euh, j'ai euh, des directions euh, euh, des agences qui peuvent acheter. Donc là, on est plutôt sur une logique de Roas. Donc finalement, chaque interlocuteur a une approche qui est différente de la mesure et une volonté de mesure qui n'est pas la même. Euh, et, et si on revient à la partie trade versus retail media, ben, en trade, globalement, il n'y a pas de partage de données ou très peu. Euh, donc tous les interlocuteurs que l'on a ne sont pas habitués à avoir accès à cette donnée-là. Donc je reviens sur le côté euh, compréhension de la donnée et nécessité d'acculturation autour de tout cela. On sent quand même que, en tout cas de notre côté, les, même les petites marques sont en demande de plus en plus d'avoir des retours justement, des ROAS, des retours sur investissement, sur les petits investissements qui vont être faits, parce qu'en effet, on a des niveaux d'investissement qui sont du simple au double en fonction de la taille des annonceurs. Et du coup, pour toi, pour, pour Vela, est-ce que tu serais prête à investir, on va dire, plus dans le retail média, plus dans la mesure, à partir du moment où le retour que peuvent te donner tes partenaires est plus granulaire, plus transparent euh, bah, oui, tout à fait. Euh, à partir du moment, où la data me permet de mieux euh, comprendre euh, comment ma campagne a performé. Euh, à partir du moment, la data me permet de toucher beaucoup plus précisément, précisément le e-shopper, et donc du coup d'avoir un taux de transfert beaucoup plus pertinent et uh, important. Bah, du coup, ça développe mon chiffre d'affaires. Et oui, euh, bah, au bout du bout, ça me va de payer un peu plus cher le partage de la data si ça me permet de développer mon chiffre d'affaires, ma part de marché, ma notoriété. Voilà. Je préfère payer un peu plus pour quelque chose de très quali, plutôt que de payer moins et d'arroser tout le monde, même des personnes non concernées par ma catégorie ou mes marques. Donc oui, clairement. Euh, en tant que marque, est-ce que tu te sens assez mature pour euh, maîtriser l'ensemble des KPIs de ta donnée ou est-ce que tu es accompagné par euh, des agences, des partenaires, euh, des conseils bah, Pour le moment, on a quand même une certaine maturité quand même de, euh, des KPIs. Hein, on, les, on les maîtrise bien. Moi, le Retail Media, ça fait longtemps que euh, je travaille hein, avant même d'être chez VELA. Euh, J'étais dans l'alimentaire et euh, le Retail Media, ça existe quand même depuis quelques années, même si ça fait une explosion là depuis ces 12 derniers mois. Euh, donc on les maîtrise. Maintenant, euh, évidemment, euh, l'expertise euh, d'une agence qui, à qui on pourrait euh, dédier ou, euh, oui, une partie de notre budget ou notre budget Retail Media nous permettrait de monter en expertise car elle aurait une vision holistique de l'ensemble de l'écosystème du e-retail média et euh, pourrait de cette manière nous dire, voilà, il faut investir tant de votre budget euh, sur cette enseigne-là, tant de ce budget dans celle-ci, à telle période de l'année, sur telle mécanique promo, parce qu'en fait, cette agence a euh, la visibilité de l'ensemble des KPI sur plusieurs marques, euh, plusieurs enseignes et sur un historique beaucoup plus euh, large que euh, le mien en tant que marque qui veut tester quelque chose de nouveau. Donc, bien sûr, l'agence pourrait nous accompagner là-dessus. Non, c'est très clair. On vient de voir que les enjeux de la transparence, en tout cas de la, la mesure euh, accolée à la transparence, sont clés aujourd'hui pour faire grandir le retail média, en tout cas augmenter les investissements. Euh, maintenant, la transparence, euh, elle ne se fait pas euh, en claquant des doigts. Euh, on aimerait bien tous, euh, en tant que régie, tech, etc., pouvoir amener autant de transparence que ça à nos marques. Les enjeux de la transparence, ça a un coût. Euh, mmh. Du coup, je vais laisser la parole un peu bah, côté régie et tech sur justement pour vous. Euh, quels sont le coût de la transparence aujourd'hui en termes d'équipement et même après en termes de, de, de dashboard, etc. De tout ce qu'on peut mettre en place pour accompagner les marques dans ces sujets Ok, je, je, je prends le point. Euh, J'ai d'ailleurs la, la directrice de la data chez nous dans l'équipe. Euh, concrètement, c'est un vaste sujet de pouvoir donner accès à de la donnée et de la traiter. C'est euh, c'est beaucoup, beaucoup d'investissements pour un distributeur. Euh, avant d'y être, je n'avais pas conscience de la transformation que ça devait amener dans nos organisations. Euh, concrètement, pour avoir accès à la donnée, bah, il nous faut des technologies retail médias. OK, on en a. Mais comme je vous dis, on n'active pas que de l'activation on-site. Bah, il faut pouvoir avoir accès à des dashboards de performance digitale online. Donc, on a des outils comme Google Analytics, comme Content Square pour nous accompagner là-dessus. Euh, il nous faut aussi avoir accès à la donnée de sell-out en magasin. Bah, je vous invite à voir comment on connecte un Power BI à SAP euh, dans nos enseignes, euh, voilà, on va tous rire euh, donc en fait, on est obligé d'investir énormément dans des technologies qui nous permettent d'avoir accès à la donnée pour pouvoir la rendre transparente euh, aux industriels, pour pouvoir nous l'exploiter à des fins de ciblage, à des fins de mesure et, et au-delà de ça, on est en plus obligé d'investir dans du cloud parce que les données, il faut les héberger. en fait, on n'a pas on n'anticipe pas l'impact financier que représente d'avoir accès à cette donnée et de pouvoir donner cette transparence à tous les industriels donc oui c'est beaucoup d'investissement de temps d'énergie euh, un bilan de campagne euh, aujourd'hui je pense qu'on prend euh, trois jours pour le sortir un jour j'aimerais bien vous dire qu'on prendra deux heures et qu'on clique sur un bouton c'est pas la réalité euh, un bonheur. Hein ouais. <laughs> euh, donc oui c'est forcément des coûts euh, et humains et euh, d'outils pour pouvoir euh, l'opérer et c'est bien qu'on puisse là. en parler d'ailleurs, pardon, tous ici, pour qu'il y ait aussi une conscience collective de, de la complexité que ça représente pour tout le monde de pouvoir vous donner accès à cette valeur. Il y a peut-être aussi un autre élément, et c'est l'alignement avec euh, les KPI euh, globales du distributeur. Et euh, ce qui vient surtout dans la tête, c'est le shopper experience, l'expérience du, du shopper directement, euh, qui est énormément, surtout pour le directeur marketing, c'est probablement euh, la chose numéro une. Il faut, faut vraiment maintenir. Shopper Experience qui est, qui est énorme. Et lier ça avec donner la transparence qu'on veut donner, qu'on peut donner avec les marques en maintenant le contrôle sur la Shopper Experience. Aussi, ça, c'est un coup. Juste un exemple. Ouais, et, et, et si je rebondis, en effet, quand on parle de, de data et de Shopper Experience, ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi dans la capacité de mesurer l'impact des dispositifs retail médias sur le reste de l'expérience d'achat en ligne de nos clients en scène. Parce que avant tout, ce qu'on veut, c'est vendre des produits, pas forcément vendre le produit de la marque qui, qui a. Non, on veut bien évidemment pas que le dispositif retail média que moi ou mes équipes on peut mettre en place impacte le, les 55 ans de l'enseigne euh, qui a lieu en ce, en ce moment. Donc le, la donnée d'expérience client, elle est, elle est clé. La communication entre toutes nos équipes. Euh, elle est forcément clé, donc ça veut dire qu'il faut se coordonner avec les équipes de Castorama, se coordonner avec des équipes de Brico-Dépôt, euh, coordonner l'ensemble de dispositifs des industriels pour qu'il y ait du sens, qu'il y ait des prises de parole exclusives. Donc euh, oui, c'est beaucoup d'organisation et de coordination euh, autour de la donnée. Est-ce que même si euh, on, on, va, on fait l'exercice encore plus loin, c'est pas des hum, comment le retail média est pas structurant aussi pour les entreprises, que ce soit je sais pas côté marque, je te laisserai la parole après, éléonore, mais côté régie. Euh, ce que, en tout cas, nous, on, euh, je, je partage mon expérience, je pense que c'est la même chez vous, mais côté régie, on a dû transformer des personnes en euh, campagne manager et tel média. On a dû euh, intégrer des data analystes euh, dans nos équipes, alors que ben, quand on faisait du média avant, on n'en avait pas forcément. Euh, on a dû se structurer aussi, euh, ramener des expertises. Et du coup, euh, je pense que côté marque aussi, euh, on est obligé de se structurer pour comprendre, on va dire, ce nouveau média. Et du coup, comment vous faites, vous, euh, chez Vela, pour euh, vous structurer euh, sur cette partie-là Comment vous êtes organisé <laughs> euh, alors effectivement euh, les structures ont dû évoluer en interne hein, puisque historiquement Vela c'est un groupe euh, euh, orienté professionnel donc euh, des produits capillaires et d'onglerie pour les professionnels à usage professionnel et depuis plusieurs années maintenant il y a une volonté de se euh, euh, faire connaître et, euh, et d'être distribué auprès du consommateur final euh, donc déjà ça, ça nécessite donne, ça donne des changements structurels. Et quand on parle de Conso, bien entendu, il y a le le digital. Et donc oui, il a fallu en fait bah, créer une BU e hein, en interne, euh, recruter des personnes dont c'est l'expertise, pour négocier donc avec les clients, euh, euh, bah, les contrats annuels, mais également les plans d'affaires, le e-trade, et intégrer euh, au sein de cette équipe également euh, des notions de e-retail média. Maintenant, euh, chaque structure a euh, sa propre maturité. Il y a des notions de coûts de budget. Euh, on doit, euh, enfin, voilà, les, les, les FT ne sont pas extensibles, donc il faut aussi composer avec les moyens que l'on a dans l'entreprise et la maturité de l'entreprise à vouloir y aller. Parce que tout ça, c'est des coûts, c'est des coûts humains. Après, c'est des coûts budgétaires pour euh, mettre en place les choses. Puis après, c'est des coûts pour analyser tout ça, etc., etc. Donc tout ça se fait étape par étape. Mais oui, je confirme, il y a des mouvements structurels. Dans la structure chez Vela et dans, je pense, de nombreuses entreprises. Très clair, merci. Euh, après la mesure, donc le, la deuxième thématique, c'était l'incrémentalité. Euh, aujourd'hui, comment évaluez-vous l'incrémentalité d'une campagne retail média euh, Je vais laisser la parole à Marc, peut-être de ton côté, côté Criteo. Bon, euh, l'incrémentalité, je pense, il y a un, un, un état aujourd'hui, il y a aussi un futur qui va se développer énormément. Je pense qu'il faut commencer encore une fois avec les bases. Si, si on est euh, distributeur, bon, tu l'as mentionné, hein, finalement, euh, c'est la croissance de la catégorie qui est le plus importante de chaque campagne. Euh, la marque en soi, pour, pour vous, c'est peut-être moins important. Si on est marque, finalement, euh, il y a une, une partie part de marché qui est énormément importante là-dessus, et logiquement, c'est la croissance de, de la marque. Euh, et, et, et là-dessus, il faut quand même commencer avec ces choses-là, euh, avec les bons euh, objectifs euh, par euh, player dans, euh, dans la value chain. Et puis derrière, faut faire du A/B testing. Hein, C'est relativement simple pour le faire. Surtout aussi avec l'omnicanalité qu'on a aujourd'hui, on a des euh, des canaux qui sont plus matures où on peut faire des choses très euh, avec la tech. Mais il y a d'autres où le le, le fameux A/B testing à, à l'ancienne est très important là-dessus. Euh, mais ça va pousser énormément et ça va se développer encore plus. Il ne faut jamais oublier les objectifs derrière pour chacun des, des jours dans la chaîne. Ouais. Moi, moi, je viens d'un monde euh, où euh, on était dans une logique d'exposer, de non exposer, que ce soit à mettre des mails, alors je vois Edouard euh, qui est là, euh, des magasins animés par rapport à des magasins témoins, euh, mettre en place des porteurs de cartes de fidélité qu'on exposait, des porteurs de cartes de fidélité qu'on n'exposait pas au message. Donc, je pense que la vraie mesure de l'incrémentalité, elle est toujours autour de cela. Euh, ensuite, est-ce qu'on est... Aujourd'hui, à l'instant T, dans la capacité de le faire, euh, moi, personnellement, dans, dans mes équipes, non. Euh, Est-ce que c'est une direction que l'on aimerait prendre Oui, je le confirme. Maintenant, il faut qu'on ait euh, des dispositifs pour pouvoir le faire qui soient suffisamment puissants. Euh, parce que si on veut mettre des échantillons témoins, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient comparables aux échantillons exposés. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait des dispositifs médias qui soient impactants. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui la réalité des investissements qui sont opérés dans la majeure partie des campagnes retail médias. Et ensuite, quand on fait du fil rouge, euh, genre les produits sponsorisés, Bon, bah, la mesure d'incrémentalité, elle est quand même plus compliquée euh, à évaluer parce qu'on a des dispositifs toute l'année en place. Euh, donc, je peux pas mettre exposés, euh, de non-exposés en place. Donc, je n'ai pas, pas la réponse exacte. Euh, je pense que c'est justement le but du groupe de travail d'aller euh, travailler sur ces notions d'incrémentalité. Euh, une des bonnes manières de le faire reste quand même un, un bon basique de avant, pendant, euh, j'évalue euh, l'évolution de ma baseline et je regarde l'impact de mon sell-out. Euh, le sell-in. Pour moi, elle n'est pas un KPI du retail média, mais un KPI euh, euh, plutôt du trade. Euh, donc voilà, c'est évolution du sell-out. Globalement, c'est une bonne, un bon moyen de l'évaluer. Par contre, je ne serai pas, toutes choses égales par ailleurs, je ne serai pas si mon concurrent investit sur la période. Enfin, je ne serai pas sur d'une pure logique d'incrémentalité à ce stade. Et je pense pas que, enfin, en tout cas, nous chez Kingfisher, on soit prêt à y aller aujourd'hui. Alors, je rejoins tout à fait la notion de exposer, euh, non exposer, euh, tout à fait aligné. Maintenant, effectivement, on peut pas toujours faire ça sur chaque campagne, activation, faire euh, un groupe témoin, etc. Enfin, voilà. euh, donc, du coup, nous, en tant que marque, euh, ce qu'on fait, c'est basique, hein, c'est sell out euh, avant, pendant, après, par rapport à N-1 sur une période euh, identique, en espérant qu'elle soit identique, parce qu'on sait que le marché évolue aussi d'année en année. Voilà, donc ça c'est ultra basique et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la table ronde, effectivement, moi idéalement, j'aimerais pouvoir intégrer à cette incrémentalité euh, le contexte concurrentiel au marché sur cette même période. Voilà, parce que si je compare le mois de mars, euh, l'activation, donc euh, le sell-out que ça m'a généré au sell-out euh, du mois de mars de l'année dernière, mais que l'année dernière, il y avait une campagne télé de notre part, que cette année, il n'y a pas, bah, déjà, ça fausse les résultats. Euh, voilà. est-ce que c'était la grève euh, dans les entrepôts euh, d'un client euh, important euh, Voilà. il euh, y a plein de paramètres qui peuvent avoir un impact sur l'incrémentalité de toute façon aujourd'hui on n'y est pas encore sur cette euh, finesse d'analyse donc on fait avec ce qu'on a et pour nous en tant que marque c'est vrai que le sell-out euh, c'est ce qui nous paraît le plus facile à mesurer en termes d'incrémentalité ça devient vraiment de plus en plus compliqué et on n'a pas parlé des, des promotions en plus qui normalement sont parallèles euh, et et ça, tout ça a un impact. Euh, on n'en a pas encore parlé euh, de l'IA, mais là, il y a vraiment un enjeu pour l'IA, parce que quand ça se complexise comme ça, euh, on peut vraiment, euh, avec IA ou Generative IA, comme on veut, on peut utiliser ça pour avancer beaucoup plus vite. Et cette complexité, on le donne à la machine. Euh. Tout à fait. On, on l'attend. <laughs> on est tous. dessus, on est dessus. <laughs> euh, tous. <laughs> tout à fait. Euh, dernier point à aborder avec vous, la partie extension d'audience. Euh, euh, l'extension d'audience, aujourd'hui, vous jugez que c'est plutôt une solution qui est axée performance ROI ou plutôt une solution qui est au service du branding Je laisse peut-être Éléonore prendre la parole au départ. Allez, euh, alors, l'extension d'audience, nous, chez Vela, on n'a pas de site euh, D2C. On a un site B2B pour les professionnels, mais on ne m'a pas renvoyé euh, une campagne externe vers ce site parce qu'il faut un numéro de série, etc. Euh, donc, du coup, si demain je voulais faire de l'extension d'audience, ce serait pour travailler mon awareness. Clairement. Avec un, une volonté, bien entendu, qui est de euh, la transfo derrière. Mais euh, pour avoir déjà fait du test and learn sur de l'extension d'audience, en tant que marque n'ayant pas de D2C, et je parle pour euh, ma vie aujourd'hui chez Vela, mais également euh, dans mes boîtes précédentes, c'est moins pertinent pour nous dans le sens où on n'arrive pas à traquer la mesure. On n'arrive pas à traquer le parcours euh, du e-shopper à partir du moment où il a cliqué sur la bannière et qu'il a été renvoyé sur la page produit ou le shop-in-shop -shop chez le e-retailer. On ne sait plus après ce qu'il fait. Et aujourd'hui, en tant que marque, moi je me dis, bah, peut-être que je finance une campagne pour développer la visibilité, en tout cas le visitora chez mon client, alors qu'en réalité, c'est quand même un peu à lui de le faire. Voilà. Donc euh... après logiquement ton, ton partenaire distributeur il doit te fournir probablement une évolution de trafic sur tes produits ou, euh, ou des ouais, choses comme ça. Mais je les peux et en réalité moi au bout du bout je voudrais quand même que ça transforme dans l'achat. Donc voilà c'est vrai c'est ce manque en fait de partage de data qui parfois fait que bah, s'il faut que je fasse un choix à ce jour dans mon budget bah, j'ai moins privilégié l'extension d'audience parce que bah, j'ai moins de partage de KPIs que bah, dans du retail media par exemple. Bon, comme tu l'as euh, mentionné dans ta question, euh, l'extension audience donne beaucoup plus d'opportunités sur le FANA. On peut, on peut varier beaucoup plus. Ce qui est bien. Ce qu'on voit aussi, c'est de, de plus en plus des campagnes intégrées. Ils vont pas sur une partie du FANA, mais plusieurs sur, sur la même campagne. Et là-dessus, il y a quand même une énorme opportunité. Je vais peut-être partager hein, une étude qu'on avait fait chez, chez Critique récemment où on a on a mesuré l'impact conversion de juste on-site et juste off-site. Alors juste on-site, à peu près 11,5% 11 conversion, juste off-site, 2,2%. Et si on met les deux choses ensemble avec une campagne intégrée, on est sur 19%. Alors là, on a quand même des, un, des opportunités énormes pour ça. Il faut une tech qui intègre les deux choses ensemble pour, pour qu'on puisse mesurer euh, d'une façon euh, intégrée et, et, euh, et comparable. Ouais, tu peux rajouter Je ne ouais, je sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter. Je pense qu'en effet, l'extension d'audience seule a plutôt un objectif de branding. Je, enfin, pour moi, c'est vraiment je veux présenter ma marque et, 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 et ses assets spécifiques à la marque. Ensuite, moi, j'aime beaucoup l'idée de se dire que euh, quand on compile l'intégralité des leviers retail médias que l'on peut mettre en place, que ce soit via de l'audience extension, que soit via des emails ciblés, par exemple, dédiés à une marque. On arrive à aller développer de manière plus significative et plus forte les ventes, et je pense que c'est là-dessus que, que, que va se jouer le futur du retail média. C'est sur la combinaison des dispositifs que l'on peut mettre en place qu'on arrivera à apporter beaucoup de valeur. Et pour moi, vraiment, l'extension d'audience, c'est en complément du retail média. Le retail média, c'est peut-être plus pour du sales, enfin des sales, quand l'extension d'audience, c'est vraiment travailler le awareness de ces marques. Voilà, donc c'est de la complémentarité, je trouve, d'offres. Merci à tous les trois. Euh, juste en mot de, de, de conclusion sur, euh, sur cette table ronde. Ce que je retiens, moi, c'est que euh, sur la partie retail média, en tout cas, la mesure est clé, la transparence encore plus. Qu'on a besoin de standardisation pour grandir euh, au niveau du marché et avoir des investissements qui soient plus larges et comparables à d'autres. Euh, et qu'on euh, a encore euh, beaucoup de, de jobs à faire sur la complémentarité des différents leviers. Et que euh, quelle est la mesure de demain entre l'incrémentalité et l'IA Il y a encore plein de choses à faire. Donc. Euh Hâte d'avoir la nouvelle table ronde la prochaine. Merci. Merci.